Derrière moi, ce que vous voyez, c'est le majestueux fleuve Saint-Laurent. Et aux abords de ce fleuve Saint-Laurent-là, vous avez une petite anse. Cette petite anse n'est nulle autre que l'anse Como. Et elle va servir à un projet absolument incroyable, extraordinaire pour l'époque. On parle des années 20 et on parle particulièrement de construction en 2 ans qui vont se faire entre 36 et 1937. Et c'est le projet de la construction de Baie-Comeau. Vous avez l'anse Como qui est présentement rembourrée. Il y a de la terre. L'eau se rendait jusqu'aux abords. Et vous avez le ruisseau Como. Là, vous voyez un peu la fumée qui se dégage, ainsi que l'usine de la Donahue maintenant, et qui pourtant à l'époque s'appelait la Québec Nature Paper Company. Mon nom est Alain Aubé. Je ne suis pas professeur d'histoire, je ne suis pas non plus historien. Je suis fils d'ouvrier. Et mon père, dans les débuts de Baie-Comeau, est parti de cette île, du fin fond de la Côte-Nord, pour venir pour 2 choses. Il est venu pour trouver de l'emploi, il est venu aussi pour fonder un foyer. Et je suis un de ses fils, et j'ai une merveilleuse histoire à vous conter, peut-être celle la plus belle que je connaisse. En 1923, dans la chaleur et la quiétude des bureaux du Chicago Tribune à Chicago, il y a un grand personnage et un homme qui a fait l'histoire de la ville de Baie-Comeau. C'est nul autre que le colonel Robert R. McCormick, qui a eu son grade d'ailleurs durant la Première Guerre mondiale. Il a déjà beaucoup d'expérience dans le papier, puisqu'il travaille aussi avec le New York Daily News. Mais voilà, les journaux se vendent comme jamais et la demande est extrêmement forte pour le papier journal, donc pour le bois. Il a déjà expérimenté la Côte-Nord, il connaît même très bien la Côte-Nord. Il a déjà eu des coupes de bois sur l'île d'Anticosti. C'est l'instigateur de Shelter Bay, un village qui porte le nom d'aujourd'hui Port-Cartier, ainsi que Franklin, mais le colonel McCormick lorgne la rivière Manicouagan. Magnifique rivière avec un immense débit, une véritable autoroute pour le bois de coupe, le bois qu'on coupe, et par la drave qui va descendre tout le long de la rivière Manicouagan pour se rendre au fleuve Saint-Laurent et par là embarquer sur les bateaux et aller se faire transformer dans des usines. Il va demander à une équipe de travailler là-dessus, de vérifier si le projet en vaut la peine. McCormick va recevoir une réponse au-delà de ses espérances, puisqu'on va lui dire qu'effectivement, la concession de la rivière Manicouagan est extrêmement intéressante et peut être extrêmement rentable aussi. Alors, il va négocier avec le gouvernement, mais sa grande surprise va être de constater qu'il n'est pas le seul à être intéressé à la concession de la rivière Manicouagan. Beaucoup d'autres compagnies le sont. Il devra s'associer avec l'Anglo-Pulp à l'époque et ils vont pouvoir d'ailleurs se l'arracher, mais à prix très fort pour l'époque, c'est-à-dire droit de coupe de bois, 6 000 $ année, ce qui pour l'époque est très onéreux. Et il y aura une deuxième condition qui va s'ajouter à tout ça, ça va être celle de construire aussi une usine de transformation. La Côte-Nord en a besoin. Pour le gouvernement, l'intérêt, c'est enfin de donner de l'emploi dans l'Est du Québec. 2 années vont passer, 2 années vont passer entre 1923 et 1925 d'ingénierie, d'études, et on va débuter ce qu'on appelle la phase 1 du projet, en 1925, et elle va être quoi la phase 1? Elle va être la construction d'un barrage hydroélectrique ainsi que la construction d'un quai en pierre. À quel endroit ils vont se faire? On ne peut pas faire un barrage hydroélectrique à la rivière Manicouagan puisque son débit est plutôt est trop fort pour la technologie de l'époque. Alors, on va penser à une rivière qui est à quelques 6 km plus loin à l'ouest de la rivière Manicouagan, la rivière Outarde. Et pour ce qui est du quai, on va penser évidemment à côté de l'anse Como, à quelques 20 km à l'est de la rivière Outarde, la baie aux Anglais, qui est une baie à corps, un vieux terme de pêcheur qui désignait une baie qui est en eau profonde comme telle. À l'entrée de la baie aux Anglais comme telle, on va y construire le quai en pierre. Et ça va être tout un projet, puisque en ce qui concerne le barrage hydroélectrique, les bateaux devront jeter l'ancre au large et ce sont sur des péniches qu'on débarquera tout le matériel nécessaire à la construction du barrage hydroélectrique. C'est pas un mince projet comme tel. Il va falloir construire un mini chemin de fer. Il va falloir installer les installations, construire à tout le moins les installations pour tout le personnel qui devra travailler là. Et c'est un projet qui va prendre plusieurs années comme tel. Mais voilà, coup de théâtre, en 1927,
le prix du papier baisse et baisse tellement que ça le met en péril, le projet comme tel. Et Recoup de théâtre 1929, le crash de la bourse mondiale. La bourse s'effondre littéralement. Et début 1930, ça n'a plus d'allure. On doit absolument abandonner le projet. Et le colonel McCormick a à toute fin pratique perdu la partie. Alors, il n'a pas dit son dernier mot, mais en attendant, c'est un chantier totalement isolé qui va être gardé par nul autre que M. Luigi Como, ainsi que sa femme Marie Arsenault, qui de 1930 à 1936 garderont un chantier littéralement abandonné. 1935, M. McCormick n'accepte pas la défaite facilement. Et il y a réfléchi, il a pensé longtemps. Il décide de renégocier avec le gouvernement, rappelez-vous, crise économique, etc., etc., et il va proposer au gouvernement que si le gouvernement lui offre le coût d'exploitation de la concession forestière à prix plus bas, plus avantageux pour lui, il repart le projet, et non seulement il repart le projet, mais fait une usine de transformation, pas seulement qu'une usine de pâte, mais une usine de papier. Et le gouvernement a beaucoup trop besoin de repartir l'économie sur la Côte-Nord, il va accepter, et là, le chantier va vraiment partir. Un projet d'une telle envergure demande de la planification, demande de l'ingénierie, des plans. Alors, trois personnes en particulier vont s'occuper de tout ce tralala-là et on va avoir M. Arthur Schmoun, en quelque sorte le bras droit du colonel Robert McCormick. On va avoir aussi Georges Boisvert, qui est surtout sur le terrain, mais tout particulièrement un urbanisme fort reconnu et connu à Montréal. M. Léonard Schlemm, qui va apporter l'hypothèse gagnante sur la décision de M. McCormick, à savoir de construire le Toubé-Como à l'ouest de l'usine de papier afin d'éviter la pollution fournie par les cheminées des machines à papier comme telles. Et tout ce beau travail-là va commencer en avril 1936 parce qu'on va voir poindre à l'horizon le Jean Brillant, un merveilleux bateau tout de blanc peinturé que les gens appelaient Jean Branlant parce que par le fort temps, dans la vague, il tanguait énormément, et le Marco Polo, deux navires qui vont faire l'histoire de la Côte-Nord et qui vont amener le premier matériel et ainsi que les premiers hommes pour commencer le chantier. Qui dit chantier, dit très gros chantier à cette époque-là. On vous donnait la comparaison avec les projets de la Baie James. Alors, on parle de 300 000 tonnes de matériel et plus de 5 000 hommes qui vont venir travailler sur le chantier. Et on parle aussi de quelques 800 projets différents avec tous les sous-projets que ça peut comporter. Et tout ça se fait en même temps. Construire une usine, construire les rues, construire les maisons, le système d'égout, l'électricité, afin de réaliser en 2 ans un projet qui va demander des efforts absolument colossaux pour l'époque. Un incident va arriver sur le chantier qui va mettre en stupeur à peu près tout le monde qui va être là sur le chantier. Georges Boisvert tombe malade. On diagnostique un appendicite et vous comprendrez bien que c'est une bulle fermée. Il n'y a pas d'avion. Il y a juste le Marco Polo qui présentement est amarré au quai et qui est à quelques 4 heures de route de Rimouski, là où il y a un hôpital avec une salle opératoire. Alors, on embarque M. Boisvert dans le bateau part en direction de Rimouski et on ne pourra malheureusement que constater son décès en arrivant à Rimouski, décédé d'une péritonite. Et ça va faire prendre une grande décision qui va se prendre pour Baie-Comeau. On va construire un hôpital et cet hôpital aura le meilleur équipement qui puisse y avoir pour ces années-là, de quoi mettre jaloux même les autres hôpitaux de la province. Et cet hôpital portera le nom de l'hôpital Boisvert. Un chantier, véritablement un gros chantier du jamais vu sur la Côte-Nord et n'entre pas qui veut sur ce chantier. En effet, les gens partout dans la province de Québec vont vouloir venir travailler sur ce nouvel Eldorado, l'Est du Québec, avec ce chantier-là, c'est là où on peut se trouver du travail, là où on peut avoir de l'avenir, et l'économie n'est pas très forte. Alors, plein de personnes vont partir de la rive sud, du lac Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la basse Côte-Nord, de la moyenne Côte-Nord, pour venir travailler à Baie-Comeau. Mais comme je vous le disais, n'entre pas qui veut. Ça veut dire qu'il va falloir la badge et le numéro d'employé pour pouvoir rentrer. La badge, c'est quoi? C'est une espèce de macaron qu'on accroche sur soi avec son numéro et le petit papier qui accompagne ce macaron-là qui dit qu'effectivement, vous avez été engagé. Et plusieurs personnes vont chercher
essayer de traverser le fleuve et de venir travailler à Baie-Comeau sans leur badge. Et la police va les recevoir sur le quai. Ils vont être obligés de s'en retourner tout simplement. C'est un énorme chantier, mais un énorme chantier où les hommes qui vont y travailler et les femmes qui vont travailler vont faire quelque chose d'absolument extraordinaire, vont relever le défi et vont y arriver. Autant 36 a été un chantier, autant que 37 fera que véritablement on voit une ville surgir du roc et de la forêt. Dès 1937, le 20 mai plus particulièrement 1937, on reçoit les lettres patentes du gouvernement et on élit un conseil municipal et M. Arthur Soule sera le premier maire de la ville de Baie-Comeau. On peut dire que là, une ville vient de naître. Le 24 décembre 1937, première machine à papier mise en marche et réalisation du premier rouleau de papier. Tout le monde est extrêmement content. On est même en avance de plusieurs semaines sur l'échéancier fixé le 15 février 1938. Il y en a un en particulier qui est content, c'est le colonel Robert McCormick. Ambitieux peut-être, mais très visionnaire, puisque Baie-Comeau deviendra une ville extrêmement prospère et l'installation et la réalisation de deux autres industries à Baie-Comeau va faire de cette ville une ville en pleine expansion et qui deviendra la capitale de la Côte-Nord.